Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, votre podcast de philosophie du vendredi soir. Je vous retrouve ce soir pour aborder le thème l'image, qui est au programme des classes préparatoires aux grandes écoles de management, ECG et ECT. Et j'aborderai en particulier le thème de l'image dans son rapport à une religion, qui est le protestantisme. Y a-t-il de l'image dans la culture protestante ou un simple iconoclasme c'est-à-dire une condamnation pure et dure des images. L'iconoclasme, c'est littéralement le fait de briser, le verbe clao en grec, qu'on pourrait écrire k-l-a-o, une icône, une image, un portrait, e-i-k-o-n. L'iconoclasme, qu'on peut appeler aussi l'iconoclastie, c'est la destruction délibérée des images, souvent nourrie par une haine à leur endroit. La condamnation des images est ancienne. Mais il est vrai que les trois monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, ont donné un tour particulier à cette condamnation, car les peuples qui précédaient ces trois monothéismes pratiquaient souvent des cultes animistes ou polythéistes qui se servaient d'images sacrées comme support de leur dévotion. Alors ces monothéismes ont condamné l'idolâtrie qu'ils ont définie comme étant le culte des images fausses, et c'est ce qu'on en retrouve notamment dans la Torah, puisque le Second Commandement dit de manière très explicite, tu ne feras point d'images taillées ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Même interdit dans l'islam, même si le Coran est beaucoup moins explicite que la Torah sur ce point, puisque il se contente de proscrire les idoles. En revanche, les hadiths sont assez fermes quant à la représentation de tout ce qui pourrait être doté d'une âme, c'est-à-dire œuvre de Dieu et on interdise donc soit la représentation, soit demande que cette représentation soit voilée, recouverte d'un voile lors de la prière. L'argument était très proche de celui de la Torah, il s'agissait de condamner l'idolâtrie, mais avait sa spécificité, puisque le Coran insistait sur le caractère infiniment transcendant de Dieu, impossible à représenter. Or, dans ces deux traditions, l'hébraïque et la musulmane, une certaine tolérance a été souvent accordée à la représentation du monde terrestre, dans un cas de profane, par exemple, dans des palais. Il y a donc des figures humaines chez les califes omeyyades de la première génération, qui avaient des palais ornés donc, de ces images. En revanche, dans les mosquées, toute figuration disparaît pour les raisons que nous venons d'évoquer. Cette intransigeance à l'endroit des idoles ou des icônes a eu une influence sur le christianisme. Il apparaît notamment que le Concile de Nicée a sans doute été influencé par le développement de l'islam et la conquête par les musulmans du sud de l'Europe. Lorsque en effet le christianisme s'attaque aux images, ce qu'il fera lors du Concile de Nicée, c'est influencé qu'il est par la culture hébraïque, par le platonisme également, qui s'attaque aux images trompeuses et aux illusions, et donc à l'islam. Idée qui peut surprendre, mais oui, le christianisme dans son approche iconoclaste a pu être aussi influencé par la présence des musulmans sur euh, le sol européen. Comment expliquer qu'un christianisme se soit attaqué aux images alors même que dans son fond le christianisme dit de Dieu qu'il s'est fait chair à travers la figure du Christ, chair visible donc, et éventuellement représentable par l'image comme toute réalité visible pourrait l'être. Dans la culture chrétienne donc, les images du Christ, de la Vierge, des saints, des patrons se sont multipliées et ont offert un support très efficace à la dévotion populaire, notamment à des chrétiens qui ne pouvaient pas lire la Bible en latin, en grec ou en hébreu. Or, au VIIIe siècle après Jésus-Christ, une vaste campagne iconoclaste a été déclenchée en raison de comportements idolâtres des chrétiens, de comportements superstitieux. L'idée étant pour les iconoclastes de revenir à la pureté de l'Église primitive, qui n'avait pas eu besoin d'images pour que la foi se déploie. Les premières attaques furent celles de l'empereur byzantin Léon III en 730, qui interdit l'usage des icônes du Christ, de la Vierge Marie et des saints, et a ordonné leur destruction pure et simple. Cet empereur était influencé par les musulmans, avec lesquels les Byzantins étaient souvent régulièrement en conflit militaire, ce qui avait permis à ces Byzantins de connaître mieux l'islam et d'en apprécier cet aspect. Cette controverse iconoclaste a produit pas mal de refus chez les chrétiens. Qu'ils soient d'ailleurs des chrétiens de l'Empire romain d'Occident ou d'Orient, ils ne voulurent pas que l'on détruisit les icônes. Et Jean Damascène est un des chefs de file de cette résistance. On l'appelle Damascène parce qu'il est de Damas, donc Damascène s'écrit D-A-M-A. S comme Damas et C-E-N-E -E, en un seul mot bien sûr. Damascène est l'auteur d'un discours contre les iconoclastes qu'on peut traduire aussi contre ceux qui rejettent les images qui est un argumentaire à la faveur donc des images car il redoute d'abord la confusion entre l'islam et le christianisme, il veut se distinguer de l'iconoclasme musulman qui s'était d'ailleurs renforcé sous le règne du calife Yazid II Y A Z I D qui avait promulgué contre les images un décret assez célèbre et qui pouvait, on le voit, influencer le christianisme dans ses décrets propres. Damascène donc, au contraire, défendait les images qui ont des vertus pédagogiques pour ceux qui ne savent pas lire le texte et que l'on peut respecter, vénérer, sans pour autant les adorer. Damascène est notamment à l'origine d'une distinction que les théologiens vont développer ensuite aussi entre la latrie, L-A-T-R-I-E qui désigne l'adoration et la dulie des e qui va désigner la vénération. On appelle en effet iconodule ou iconodule celui qui vénère les images sans pour autant tomber dans l'idolatrie, puisque la latrie l'adoration doit être propre à Dieu et sûrement pas aux images. L'argumentaire de Damasène n'est pas tout de suite accepté. Il est même rejeté puisque Damasène a été frappé d'anathème par un concile en 754. Le Concile iconoclaste de Yereya, ça s'écrit H-I-E-R-E-I-A. Il fut cependant réhabilité lors du deuxième concile de Nicée en 787, qui est un concile qui autorise le culte des images dans l'Église en Orient. Pendant des siècles donc, Église catholique d'Occident, Église orthodoxe d'Orient ont accepté qu'un culte soit rendu aux images. Culte dissocié bien évidemment de l'idolâtrie. Pendant des siècles, donc, le christianisme a été un des grands producteurs d'images, icônes en Orient, peintures, sculptures en Occident, vitraux, retables dans l'art gothique notamment. Pourquoi donc cette querelle des images renaît-elle en plein XVIe siècle et quel rapport a-t-elle avec ce premier iconoclasme que nous venons de décrire Les deux siècles qui précèdent la Réforme sont particulièrement inquiets. Peste, en 1347, la peste noire qui arrive en France et qui dévaste une partie de l'Europe, développement d'hérésie et institution d'un tribunal ecclésiastique qui est l'Inquisition médiévale en 1376, et les terreurs habituelles dues au climat, comme les mauvaises récoltes ou les famines qui succèdent à ces mauvaises récoltes. Dans ce climat, on comprend que les hommes aient eu spontanément l'idée de se tourner vers tout ce qui pourrait les sauver et tombe dans ce que les protestants appelleront plus tard les abus de superstition. Culte des images, culte des reliques, adoration des saints et des saints patrons, tout est bon pour apaiser son angoisse. Or, lors des premiers moments de la Réforme, au début du XVIe siècle, la peste menace encore l'Allemagne, l'Empire ottoman attaque les possessions vénitiennes, prend la ville de Belgrade, grignote de plus en plus les provinces orientales du Saint-Empire. Le trouble est très très important, l'inquiétude religieuse est à son paroxysme. Alors contre la famine, la peste ou les futures invasions musulmanes, les hommes sont prêts à tout. Ils croient notamment à l'enfer dont les menacent les prêtres et d'autres prédicateurs. Ils achètent des indulgences, ils invoquent les saints, ils vénèrent les reliques et les images, ils sont pris par un élan extraordinaire de superstition. L'imprimerie créée dans les années 1440 a permis d'ailleurs la diffusion très très large de ces images, elles sont entre les mains de tout un chacun. C'est dans ce contexte que le prêtre allemand Luther, Martin Luther, décide de condamner ce christianisme qui est en train de défaillir, il faut le réformer de toute urgence, et pour cela condamner d'abord l'abus d'images, produite d'ailleurs par l'argent des indulgences. La rémission des péchés est devenue une affaire de gros sous. Si on a de l'argent, on peut donner cet argent à l'Église et obtenir quasi son salut. Des années et des années de moins à attendre au purgatoire et peut-être même la possibilité d'entrer directement au paradis quand bien même on a eu une vie qui nous ferait mériter l'entrée dans l'enfer. Luther établit un lien entre l'excès du culte des images et l'enrichissement scandaleux du clergé, abusant de la crédulité des fidèles, en développant ce culte et en produisant toujours plus d'images. C'est notamment avec l'argent des indulgences que Saint-Pierre de Rome a pu être édifié et décoré par les plus grands artistes de ce temps. Payer donc des artistes pour produire des images détourne l'argent qui pourrait servir à l'assistance aux plus pauvres et aux malades. Luther, cherchant donc à renouer avec la première manière d'être chrétien, celle que le Christ enseigne par son comportement, traduit la Bible en allemand pour que dans cette langue vernaculaire tout un chacun puisse accéder au discours de la Bible et ne soit pas perverti par le discours des intermédiaires que sont les prêtres, les évêques ou le pape lui-même. Et en affichant sur la porte de l'église du château de Wittenberg ses 95 thèses, Luther s'attaque à Frédéric de Saxe qui vit à Wittenberg et dont on sait qu'il voue un culte ardent aux saintes reliques. Frédéric, dit le sage, organise dans sa ville, Augsbourg, une assemblée qu'on appelle une diète, la diète d'Augsbourg, qui permettra de concilier les points de vue des catholiques et des protestants sans en venir à une guerre qu'il redoute. Alors, quelle est exactement la position de Luther quant aux images Luther est en la matière assez modéré. Il condamne les images, mais sans grande fermeté. D'abord, il sait que les villes, de l'époque, trouver un intérêt économique au culte des images ou des reliques. Les pèlerins, par exemple, se déplaçaient de loin pour venir les vénérer. Et Luther admet qu'on puisse maintenir les églises en l'état, par exemple en fermant les retables lors des carèmes, en voilant certaines œuvres, qui est une proposition qu'on trouve également dans les hadiths dans l'islam. Mais certains protestants ont été beaucoup plus radicaux. C'est le cas notamment du magistrat de Wittenberg. Qui s'appelle von Karlstadt, qui profite de l'absence de Luther à la Noël 1521 pour accélérer le changement religieux, abolir la messe, renverser les autels, briser les images. Il s'en est pris notamment à ce qu'il appelait les idoles peintes à l'huile. Or, ces débordements ont été condamnés par Luther, beaucoup plus conciliant, on l'a vu, à l'endroit des œuvres d'art et des artistes même, et estimant que ce scandale était peu productif. Les images n'étaient en soi ni bonnes ni mauvaises, considérées du ce n'était pas à elles qu'il fallait s'attaquer en priorité. En tout cas, cette vague d'iconoclasme des années 1520 a été extrême, puisque sous l'influence notamment de Zwingli, qui est un des réformateurs à Zurich, et qui était clairement iconophobe, de très nombreuses églises ont été littéralement saccagées, et la foule s'en est mêlée qui s'attaquait aux images, comme à Zurich en 1524 ou encore à Berne en 1528. Les arguments de ces réformateurs particulièrement violents à l'endroit des images et iconoclastes ont été forgés lors de la querelle byzantine. Ils les empruntent majoritairement aux théologiens de la culture byzantine. Mais il est vrai que la critique protestante innove au moins sur quelques points. Par exemple, elle sort du cercle des seuls théologiens et devient une affaire publique. Dans le peuple, beaucoup de chansons, de poèmes circulent, également des petites pièces très courtes, satiriques, de théâtre, qui mettent en scène la querelle des images, et même la chute des papes. Il y a bien sûr parmi les arguments neufs celui que j'évoquais tout à l'heure, à savoir le scandale des indulgences, la multiplication des images, et le fait qu'on en oublie les fonctions caritatives, les fonctions sociales de l'Église qui détourne son argent vers la fabrication d'Églises toujours plus riches. Enfin, le troisième argument est contemporain de ce qu'on pourrait appeler la seconde crise iconoclaste protestante qui surgit dans les années 1550-1560 et qui est liée au développement de la réforme de Calvin. Parce que Calvin durcit nettement la critique des images et voit en elles une école de mensonges. Les images, en effet, d'après lui, ne disent rien de Dieu, n'expliquent en rien ou ne restituent en rien la grâce divine ou le sacrifice sur la croix. Elles ne sont que du bois, de la pierre, du papier, du métal. Elles sont forgées par les hommes, elles ne parlent que des hommes. Or, de nombreux pays sont devenus calvinistes. La France, les Pays-Bas, l'Écosse, l'Angleterre, l'Allemagne ont été influencés par ce calvinisme, si bien qu'un certain réveil iconoclaste s'est fait, notamment en France dans les années 1550-1560, au début des guerres de religion. Les foules s'attaquent aux églises, font tomber les idoles, s'attaquent aux images et les détruisent. Les trois arguments que nous venons d'analyser sont fondés et justifient tout à fait l'iconoclasme protestant. Cependant, il existe une peinture protestante. Autrement dit, le fait que Luther ait été beaucoup plus modéré dans son jugement à l'endroit des images, plus modéré notamment donc que Forn Karlstadt ou que Calvin, a permis à certains artistes d'accomplir leur œuvre, en se sentant redevable d'ailleurs à Luther de les avoir réorientés vers la vraie foi. C'est le cas notamment de Albrecht Dürer, D-U-R-E-R, -E -R -E -R, ou de Lucas Cranach, C-R-A-N-A-C-H. Dürer, par exemple, a fréquenté de très près les hommes de la Réforme, et en particulier Luther. Il connaît aussi Didier Erasme et Philippe Mélancton, c'est-à-dire des individus qui sont des grands humanistes et qui ont participé au projet de la Réforme du catholicisme bien conscients qu'ils étaient de ses défauts et surtout de sa perversion moderne. Erasme en effet a dénoncé depuis sa ville de Rotterdam la dérive du catholicisme, le scandale des indulgences, l'immoralité du clergé aussi, et sollicité une réforme interne au catholicisme. Il ne souhaitait pas la création d'une autre Église. Choix qui a été le fait de Luther et ensuite de Calvin. Que fait un artiste qui est protestant Un artiste protestant... Va forcément s'interdire certaines représentations, mais va s'en autoriser d'autres qui sont en lien avec ce que Luther va enseigner, à savoir, on doit représenter, il est intéressant de représenter la figure du Christ, sa souffrance, des éléments des évangiles, mais aussi de l'Ancien Testament, notamment les figures d'Adam et Ève sont reprises, mais il est interdit de représenter des fables. Alors qu'est-ce que les luthériens appellent fables ce sont par exemple le purgatoire auquel il ne croit pas, l'eau bénite et l'hostie. Il considère qu'il n'est pas nécessaire d'être iconophage pour être un bon chrétien, de manger quelque chose qui symboliserait sa foi. Il conteste l'efficacité des amulettes, de l'invocation des saints, des patrons, se moque de l'exorcisme qui était parfois requis avant la confession de foi, et bien sûr de la vénération des images et des reliques. Donc tout ce qui va représenter les saints. Les patrons et ces éléments contestables échappent à la représentation. On s'interdit de les représenter tout bonnement. En revanche, un tableau peut être tout à fait acceptable pour un protestant comme Luther s'il assure la prédication morale, s'il incite par exemple à plus de charité, s'il représente la Sainte Seine, ce repas de partage où l'on est chrétien au sens noble du terme. Ce sont des œuvres qui sont souvent d'une grande sobriété, avec peu de personnages et dont le caractère édifiant, moralisateur, est très net. Dans la Réforme, on considère que le chrétien est justifié par sa foi seule. L'expression en latin c'est sola fide, la foi seule. Les œuvres donc sont inutiles. Tout ce que l'on va essayer de faire de son vivant pour orienter la grâce de Dieu est inutile, d'où la critique des indulgences et des pratiques financières catholiques. Appartenir à l'Église réformée, c'est s'en remettre totalement à la grâce de Dieu. C'est occuper le poste que Dieu nous confie, et accomplir comme une vocation le travail le plus humble, d'où l'éthique du travail, complètement transformée, et qui a été analysée par Weber, le sociologue, une éthique du travail qui exclut complètement que l'on se fasse moine à cette. que l'on se coupe du monde comme un anachorète, raison pour laquelle dans cet art on ne représente plus les anachorètes. Ces grands solitaires, partis au désert pour. Y vivre au plus près du Seigneur. Enfin, comme il est nécessaire d'avoir un rapport direct aux évangiles en les lisant dans la langue vernaculaire, les autorités catholiques, papes, conciles, traditions, hiérarchies nombreuses d'ecclésiastiques sont rejetées, on n'a plus besoin d'eux et surtout on ne les représente plus. L'art protestant se replie sur ses thèmes privilégiés le temps de la grâce, la vie de famille, la vie économique, puisque le travail, on l'a vu, est valorisé, la moralité publique. L'historien de l'art Erwin Panofsky note à propos de l'art de Albrecht Dürer que c'est un art assez sévère. Je le cite, renonçant aux séductions du brio et de la liberté, son style se charge d'une austérité impressionnante. L'église réformée en effet commande des figures, notamment des figures christiques, représentées toujours dans la souffrance, qui sont particulièrement austères, avec des couleurs sourdes et des fonds souvent épurés. Luther, dans son sermon sur Saint Thomas, demandait que chacun possède une image du Christ. C'est bien la preuve donc qu'il n'était pas absolument iconoclaste. Il voulait qu'on ait sur soi une image du Christ en homme de douleur, je cite, afin de garder en soi la mémoire des souffrances et des blessures du Christ. Vous le constatez, il ne s'agit pas de se prosterner devant une image religieuse ou pieuse, mais de garder sur soi une image qui nous rappelle à la morale chrétienne qui agissent comme une sorte de prédication plastique, une prédication imagée. Le peintre Lucas Cranach était un grand ami de Luther et il a mis ses pinceaux et ses burins au service de la Réforme, en tant que graveur avec les burins, en tant que peintre avec ses pinceaux. Il a par exemple illustré la Bible de Luther dès la première parution en 1522, dans la traduction allemande. Il a aussi fait paraître une multitude de planches satiriques, dans des pamphlets contre le pape. Enfin, on lui doit une série de 13 doubles gravures sur bois qui confrontent un épisode vertueux de la vie du Christ et face à lui, un épisode vicieux de la vie du pape. L'ensemble s'appelle « Passional Christi et Antichristi », donc c'est la passion du Christ et de l'antéchrist. Ça a été publié en 1521 et je ne résiste pas au plaisir de vous donner le titre de l'une de ces doubles gravures. Jésus chassant les marchands du temple est opposé à pape recueillant les produits de la vente des indulgences. Alors il est vrai que le caractère pamphlétaire de ces gravures ne saurait satisfaire à l'exigence d'entretien et d'affermissement de la foi qui était évoquée par Luther et qui justifiait la modération de son iconoclasme. En tout cas, Lucas Cranach a souvent peint des vierges, des madones, ce qui pourrait nous surprendre. En effet, on pourrait se demander si composer des vierges à l'enfant n'est pas contraire à l'église réformée et à ses enseignements du moins. Or contrairement à une idée assez répandue en France, ni Luther, ni Zwingli, ni Calvin ne se sont opposés à la vénération de la Vierge. Ce n'est que plus tard que la position protestante s'est durcie quant à ce personnage. Par exemple, en 1521, Luther écrit à propos de la Vierge, je cite elle est une personne unique dans tout le genre humain, une personne élevée au-dessus de tous dont nul n'est égal. Autrement dit, il reconnaît la supériorité morale de ce personnage, mais pas sa divinité. Je cite encore le texte de Luther. Elle n'est pas une idole capable de donner ou d'aider comme le pensent certains qui l'invoquent, et se confie en elle plus qu'en Dieu. Elle ne donne rien, Dieu seul donne. Et Cranach, qui aime les personnages féminins, aime les représenter, va chercher dans les écritures tous ceux qui sont remarquables par la foi qu'ils ont manifestée. Ça peut être Marie, mais ça peut être aussi Judith, par exemple, ou des personnages masculins comme Abraham, dans des épisodes qui glorifient leurs vertus. Ce sont des scènes assez simples, mais qui sont éloquentes, didactiques, et qui font parfois intervenir des citations extraites du Nouveau Testament, au sein même de l'image peinte. Pour finir, je voudrais dire que des images de ce type, d'art religieux luthérien par exemple, on en a assez peu. Parce que les iconoclastes ont ravagé le nord des Pays-Bas en 1566, ont détruit toutes les œuvres des églises, raison pour laquelle en Hollande, il reste si peu de peintures de primitifs flamands datant d'avant 1566. Enfin, je voudrais évoquer la situation des peintres dans ce contexte. Lorsqu'on vit dans une société iconoclaste, on peut être traumatisé par ce genre de vagues violentes. La destruction des œuvres d'art, des retables, des hôtels. En effet, ces artistes se voyaient privés de grandes commandes religieuses qui étaient fréquentes lorsque la culture était chrétienne et catholique. Comment alors rebondir Les artistes ont trouvé la solution en développant la peinture profane peinture de portraits, de scènes de genre, de paysages portraits de nature morte, scènes à sujet mythologique, donc païens, qui leur permettent de compenser le peu de commandes qu'ils reçoivent dans ce contexte iconoclaste. En effet, Calvin n'est pas Luther, il est bien moins conciliant avec les artistes, beaucoup plus radical dans son approche de l'iconoclasme. Les artistes ont dû soit fuir vers le sud, ou vers des pays plus tolérants de leur pratique iconodoule, soit se convertir et renoncer à leur art, soit s'orienter enfin vers une pratique non religieuse, en servant des bourgeois, des princes, en se mettant donc au service du pouvoir temporel plutôt que du pouvoir spirituel. Cette analyse s'achève, je vous remercie de l'avoir écoutée. Si vous appréciez le travail que je fais, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant à la chaîne. Je vous dis à très vite pour philosopher un peu à l'heure bleue avec moi.